Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4, donc avec les états papales, et en but de réaliser l'achievement Holy Trinity. Donc Holy Trinity, c'est avoir Jérusalem, donc ça c'est bon. Avoir les knights ou un truc comme ça en vassaux, donc ça c'est bon. Avoir l'ordre de Livonie, l'ordre de Teutonie. Les deux n'existent plus, mais j'ai l'Estonie, qui me permettra à terme de récupérer tout ça. Donc, hop, nouvelle technologie, technologie navale. Donc là, on va sortir les navires de commerce. On prend ça. Au 500. J'ai pas les thunes pour les augmenter. Split. Resplit. Upgrade. On va prendre celle-là avec donc les 4 et tout cela. On va les fusionner. Hop. Donne. Non, on va rester là. Toi, tu embarques. Je prends que eux. Ah bah. Même aller à Albenga directement. Et donc, si on déclare la guerre à l'autre Pécor. Après, Raguse, honnêtement, il me casse les couilles. Mais j'ai pas envie de me retrouver en guerre contre l'Ottoman juste pour Raguse. Sachant que Raguse, il me kiffe. Non, on va pas augmenter. Ah oui, l'ottoman. Umbria. Aimer Tunis, c'est pas grave. On reclamera pas pour aller en Éthiopie. On aura le temps. Voilà, on a converti Jérusalem. Alors ça, putain, une nouvelle qui en est bien. Et si on regarde maintenant, je pense... Convertir Jérusalem, ça le fait. Et nickel. Tout, on dégage là. Ok, les protestants, où est-ce qu'ils sont? Umbria. Is. J'ai pas vu ce qui s'était passé. Ouais. Get les... L'herbe. Ok, ensuite, conversion. Corse. Albenga. De regarder, voir. Oups.
Il y a 13 000 hommes, donc limite avec eux, défoncer l'autre picor là-haut. Il y a, on le regroupe. On rassemble tout le monde. Quoi? Iguri, Parme et Novara. Ah. Naples. Un. Aquilée, il y a rien. Ottoman, ouais. Non, ma flotte elle est pas prête. Et on va dégager tout ce qui est au taquet. Tout ce qui est pas au taquet, plutôt on va y sortir. Une grosse flotte, on va la mettre là-bas. Il y en a qui est, pas grave. Route. Hop. Diplomatie, si je déclare la guerre. Hop, et mes alliés. Brabant, Aquilée, Ragus, ouais, mais Brabant, l'autre il est où le pécor? Il est là-bas, donc s'il a l'accès à travers la France, il va venir jusqu'à chez moi. Quelles sont les relations entre France? Ok, et la France, j'ai un accès militaire avec eux? Donc je vais annuler mon accès militaire. Pourquoi je fais ça? En faisant ça, ça empêche les autres d'avoir accès militaire à la France. 25 septembre. Comme ça, ils pourront pas passer par France. Ils sont obligés de traverser tout ça. Et donc, voilà. La France. Maintenant, donc... Oui, monsieur, oui, madame. On va les défoncer. Là. Diplomatie... Déclare war, pas de diplomate. Oh là là, il commence à me casser les couilles, les Tunisiens. Déclare war. Écrit Capitanata. Voilà, là on les a coupés en deux. Ici, il y a mes navires, ils sont tout niqués. Ok, on a rasé sa flotte. Ragus, Brabant, Aquilée. Donc, Aquilée, c'était prévu. On a rasé ça. À partir de là, est-ce que j'ai des navires qui sont pas à 100%? Pas. Il va au lieu Capitanata. On va l'intercepter là-bas. Là-bas, mes 24 000 pour les 9 000, on les épique défense. Est mort, on va pouvoir commencer à chercher des mecs niveau 2. 26. Allez, on va prendre 3 mecs niveau 2. Bataille du Frioul. Bonne nouvelle. Bataille de Capitanata. Nouvelle encore meilleure. Paris, il n'y a pas de fort, donc... J'ai converti Umbria. Belle. Les 5 navires, ils sont en quel état? On va voir un truc. Il y a 9 quoi, lui là, on va mettre donc 9 galères ici. Galère qu'on va mettre là-bas pour le siège.
Bien les galères, et là je vais bloquer le golfe d'Almeyra. Brabant, quelle sont quelle est la, non, la force navale de Brabant? Deux navires lourds, ouais, bon, ok, je vais les raser ici. 500, on les envoie à Almeyra. Comme ça, ils peuvent pas débarquer. Ils sont obligés de passer par la terre. Conversion. Breshkia. Et... mes conversions, elles disent quoi, là? Albenga, pourquoi je... Ah, putain. Breshkia, ouais. La Corse. Vache. Ah, et on va lui récupérer dessus et on revient ici dans la foulée. Voyons. Où est-ce que j'ai... Où est-ce que j'ai mis les estates? Estate. C'est un territoire. Ça, c'est un état. Ouais. Ensuite, on va regarder un truc. Si je prenais... L'Aquilée, je prenais Frioul. Quelle serait la réaction? Qui prendrait ça mal? Venise le prend mal, je m'en fous. Naples le prend mal, je m'en fous. L'Aquilée le prend mal, je m'en fous. La Provence, l'Autriche, Autriche, Gênes, Provence. Donc on va augmenter ça. Autriche. Provence, je n'en ai rien à foutre. Et Gênes. Voilà. Sont nos deux flottes, et là, flottes, bon, on va ramener les trois derniers navires là-bas. C'est le capitaine Atta. Et... Ils sont fait pique des potes. Et... Ah ouais, l'autre il est passé par derrière ça. Bon, ce qu'on va faire, on va laisser ça. On va les prendre, on va les mettre sur la gueule et on vient. L'autre arrive au bout. Ah, ok, on rassemble. Ah, on les bloque ici. Si jamais ils voulaient passer. Le siège de Lucania est terminé. Ok, bonne nouvelle. Moitié là, moitié là-bas. Bataille du Milan. Ok. On est là-bas, on va se finir le siège de Frioul. Et... On va piller un peu les territoires. On est arrivé à deux. Ok, on rassemble tout ça.
Ici, on va prendre. Le baril est terminé. Ok. Et là, on rase la flotte de l'autre. Et en Provence. On va en profiter pour. Ah non, on a passé. Bon, mais c'est pas grave. Hop. Et de la merde. Ok, à partir de là, qu'est-ce qui est abîmé? Ah. On les fout là, brodé. Et va où l'autre pécor? C'est pas où il va l'autre, mais il a décidé d'y aller. Hein. Déguise, ramène là. Par au Brabant. Je suis au taquet en point administratif. Ouais, les estates. Ça c'est qui? La noblesse, non. Burgers, non. L'église ne contrôle rien. Cagliari, ça pourrait être pas mal. Ah ouais, non, on va peut-être pas leur donner du territoire. Par contre, développement. Les bâtiments. On va regarder les bâtiments. À Salerne. Salerne, on augmente d'un point. Gaza à la bonne foi, ça c'est nouveau. Eh bien, oh putain, j'ai pas vu que j'étais. Et je suis con moi, putain, le débile profond finit à l'urine. Dans la vie, oh bah moi rien, je claque des points. Oh le gland, le gland, le gland. On a eu le tingling de fin d'épisode. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc sur ce, ben, je vous dis ben, bye bye. Et donc à demain pour la suite de la série. Allez, ciao les gens.